D'entrée de jeu, j'aimerais remercier les organisateurs et c'est tout un honneur pour moi d'être avec vous. Et comme vous pouvez remarquer, j'ai un accent canadien. J'aimerais dédier cette présentation à Colette Chélan. Il y a peu, je recevais Colette au Québec. Et Colette m'avait invité à la Salpêtrière et m'avait dit, « Vous savez, Réal, venez ouvrir le colloque à la Salpêtrière auprès des psychanalystes. » Et je connaissais bien David Cohen. J'ai dit, « Mais qu'est-ce que je vais aller faire là, moi, un comportementaliste? » Ben, elle dit, « Faites juste dire ce que vous savez. » Et vous savez, on ne peut pas être plus que ce qu'on est. Donc, je viens partager avec vous les connaissances que j'ai acquises à travers les années. Je vais surtout prendre mon chapeau de psychologue. Ça fait déjà 30 ans que je suis psychologue. Je suis chercheur, je suis directeur d'un centre. J'enseigne depuis plus de 20 ans au doctorat. Et probablement, je vais débuter en vous disant que, bon, quand je commence mon cours au doctorat sur la dépression, je dis aux étudiants, il y a un mot que vous devez retenir. Et là, les étudiants me regardent. C'est espoir. Et je leur dis, le cours est fini, on peut passer à d'autres choses. Donc, le message que je peux vous transmettre, évidemment, c'est une lecture nord-américaine et canadienne. C'est beaucoup cette transmission d'espoir. Et évidemment, moi, je vais vous parler plus de la psychologie du moi. Je vais vous parler plus de renforcer les défenses, comme parlait François Marty. Je pense probablement que je vais être votre jardinier. Hein? On a parlé ce matin du jardinier, on va demander au jardinier. Mais je pense que je vais être plus votre jardinier. Et autant on parlait de l'importance du lien, autant je vais vous parler, moi, d'une chose qui est merveilleuse, qui est l'apprentissage. Pour apprendre, il faut du lien. Mais ce qui est propre à l'humain, c'est le langage. Et on peut se transmettre de l'un à l'autre des choses à cause du langage. Et c'est ce qu'on appelle la culture, ce que les animaux... Moi, j'ai un chien chez moi, il n'a pas appris de l'autre chien comment vivre. Hein? Donc, on peut se transmettre l'information à cause du langage. Et le paradigme de... S'il y a le deuxième mot à retenir après, hein, l'espoir, le deuxième paradigme, c'est l'apprentissage. Donc, tout la TCC est basée sur l'apprentissage. Donc, sans plus tarder, on attache notre ceinture et on décolle. Donc, j'ai intitulé « État des lieux de la psychothérapie cognitivo-comportementale dans le traitement de la dépression chez l'enfant et l'adolescent ». Donc, d'entrée de jeu, je ne viens pas confronter des idées. Rassurez-vous, j'ai fait à peu près 4 ans de psychodynamique, du Rorschach et tous ces trucs-là. Et avec les années, je me suis spécialisée. J'ai lu Michel Hutot, je ne sais pas si vous avez lu Michel Hutot, qui disait, lorsqu'on ouvre l'appareil psychique, probablement, puis qu'on veut mesurer, on devient cognitiviste. Donc, je suis devenue cognitiviste, hein, au malheur de ma directrice de thèse. Et je suis allé en sabbatique à la clinique de Philadelphie. Judy Beck m'a donné des cours. Et quelques années plus tard, lors d'un autre sabbatique, j'ai eu l'occasion aussi d'aller travailler avec Marshall Hanahan sur les bordelines, les borderlines. Donc, avant-propos, les visages de la dépression chez l'enfant et l'adolescent. La souffrance de l'enfant et de l'adolescent existe. Elle ne serait pas rare, sachant que cette période de vie exige des nombreux ajustements. Mais comment reconnaître le mal-être chez les enfants et l'adolescent? Souvent, ils n'ont pas les mots pour le dire. Donc, le clinicien travaillant avec les enfants et les adolescents souffrants devrait s'intéresser à ces non-dits. En effet, les visages confèrent des signaux de vie, d'une communication subtile bien nécessaire pour dépister. Donc, abordons une approche basée sur l'apprentissage. Donc, je vais vous parler en guise d'introduction du modèle du praticien clinicien. Je vais vous parler des assises théoriques. Je vais surtout axer mon intervention sur les pratiques cliniques et je vais vous faire un clin d'œil sur la recherche clinique, et ça en une demi-heure à peu près. Donc, cette conférence fournit aux cliniciens chercheurs une information concise, pratique et raisonnablement à jour de la thérapie cognitivo-comportementale dans le traitement de la dépression chez les enfants et les adolescents.
nous allons revisiter les assises théoriques de cette approche, décrire le cadre des soins et vous présenter les avancées actuelles de l'efficacité de traitement dans le domaine. Donc, vous savez, au Canada, depuis les années 1950, on travaille avec, c'était la conférence de Boulder, avec le modèle de praticien scientifique. Vous savez, chez nous, maintenant, il faut un doctorat pour être psychologue. Et nos étudiants doivent faire à peu près 2 à 3 ans de recherche avant même d'être praticiens. Donc, vous comprendrez que notre modèle est avant tout un modèle de la psychologie scientifique. Chez nous, on dit souvent qu'une psychologie un peu intuitive, ce que ma grand-mère faisait, il y a une psychologie peut-être plus philosophique, où ce sont des gens très érudits qui nous expliquent. Et vous avez des gens comme moi qui essaient tant soit peu de prendre toute la littérature et de voir avec des données probantes, attention, on essaie de regarder ce qui est le plus probant possible, et dans le fond, on essaie d'expliquer aux gens qu'est-ce que la littérature nous démontre et on essaie d'appliquer ça pour aider les gens. Donc, ma présentation est basée un peu sur ce modèle-là, donc praticien et du côté de la recherche. Bon, la première assise, on en a parlé tantôt, c'est la psychologie du développement, évidemment. La très grande importance qu'on explique beaucoup à nos étudiants en psychologie, tous les cours de développement, toute la psychologie saine, de la personne normale, entre guillemets, c'est très important pour très bien comprendre le développement d'un enfant et d'un adolescent. Évidemment, être adolescent en 2017, c'est quelque chose de très différent d'être adolescent à mon époque. Vous savez, chez nous, depuis à peu près 5 à 6 ans, il n'y a à peu près plus aucun livre au secondaire. Tout se fait sur des tablettes et des stylets. Essayer de faire de l'algèbre avec un stylet. J'ai fait ça avec mon garçon, ce n'est pas évident. Donc, c'est pour vous dire que la technologie est en train d'arriver. On pourrait parler longuement ce matin, on aurait pu discuter tous les phénomènes identificatoires, hein, où on est dans le siècle des télécommunications, où on voit tout, puis on ne comprend rien. Hein? Donc, l'information nous arrive et l'adolescent et les enfants ont essayé de se développer. Au Québec, la moitié des couples environ sont séparés. Donc, on voit aussi toute la question des parents, les familles reconstituées et il y a une grande banalisation de la violence. Au Canada, habituellement, on prend le modèle que vous voyez au tableau où on a absence d'un trouble et présence d'un trouble, on a le mal-être et le bien-être. Donc, j'ai des collègues à l'université qui n'ont aucun trouble, mais ils ne vont pas bien. Et il y a d'autres gens qui ont des troubles, ils sont très bien soignés et ils sont bien portants. Donc, on travaille beaucoup avec nos 4 cadrans. Dans la psychologie du moi, on travaille beaucoup avec le modèle stress-diathèse, c'est-à-dire il nous faut un stresseur pour activer une vulnérabilité qui habituellement est une vulnérabilité, je vais vous parler des 3 vagues, une vulnérabilité cognitive ou émotionnelle. On va voir qu'on s'en va vers une autre vague prochainement. Évidemment, ce sont tous les mécanismes de défense. Les mécanismes de défense, c'est Anna Freud, vous vous souviendrez, qui c'est conscient et inconscient, mais dans le monde anglo-saxon, c'est plus le coping. Et des fois, je fais des blagues, j'ai la tête très anglaise, mais le cœur français. C'est-à-dire, on est très pragmatique et pour voir des concepts bien précis. Autre chose, c'est cette notion de trauma. Hein? On parle de plus en plus, j'ai eu l'occasion l'année passée de recevoir Boris Cyrulnik lors de notre congrès, de parler de toute cette notion de trauma, et je vais tantôt plus loin, je vais vous expliquer toutes ces théories qui commencent à émerger en TCC également. Donc, il y a 8-9 ans, justement, avec David Cohen, nous avons travaillé longuement pour essayer de développer un modèle théorique avec les adolescents, et ça a l'air de rien, ces petites bulles-là, mais ça a pris à peu près 8 ans à concevoir, là, hein? Et on est très fiers de ça, c'était publié dans le Canadian Journal of Psychiatry, je pense que le modèle est assez porteur. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que vous avez un stresseur. Okay, dans la dépression, on a parlé de pertes, mais règle généralement, les pertes, ce sont des pertes interpersonnelles qui causent le plus un émoi. Vous avez d'un côté les facteurs de risque qui vont augmenter la vulnérabilité de stress et vous avez les facteurs de protection qui viennent protéger l'enfant ou l'adolescent face à un problème. Ce que nous avons fait, écoutez, pour aller très rapidement vous faire un clin d'œil,
J'ai fondé une clinique, justement, à Rivière-des-Prairies, où nous voyons un tiers des adolescents suicidaires de l'île de Montréal. Et ce que nous faisions au tout départ, et c'est comme ça que j'ai été formé, c'était d'identifier les facteurs de risque, travailler sur les facteurs de risque, et lorsque le jeune allait mieux, on donnait le congé. Or, on s'est aperçu avec le temps et avec la littérature qu'on était, oui, c'était important de travailler sur les facteurs de risque, mais c'était aussi important de travailler sur les facteurs de protection, parce qu'on sait de plus en plus dans les congrès internationaux, c'est ce qui est dit, la dépression est probablement un trouble chronique chez la plupart des gens. Donc, on s'est dit, maintenant, on va outiller nos jeunes et leurs familles à prochaine tempête. Et maintenant, les congés à l'hôpital sont, évidemment, le jeune doit bien se porter, mais surtout être prêt à prochaine tempête. Vous savez, en Californie, il va y avoir d'autres tremblements de terre. Ils sont prêts. Et c'est comme ça, notre optique de travail maintenant en psychiatrie, c'est de travailler beaucoup sur les facteurs de protection, de dire, nous allons vous équiper les familles, nous allons vous équiper les jeunes, nous allons vous équiper les enseignants, nous allons vous équiper l'entourage pour la prochaine tempête. Donc, évidemment, vous comprendrez que les facteurs de risque, ce sont des influences négatives dans la vie des jeunes, puis ça accroît l'incidence des troubles de l'humeur, et les facteurs positifs de protection viennent atténuer. Vous pouvez voir ici, je ne les nommerai pas tous, mais c'est probablement l'acétate, une des plus importantes, et je vous invite à prendre le numéro, si des fois vous les voulez, vous m'écrirez et je vous l'enverrai. Nous avons tenté d'identifier tous les facteurs de risque, enfin les principaux facteurs de risque et de protection chez les enfants dépressifs avec complications, avec ou sans complications suicidaires. Donc vous voyez, je vais prendre les facteurs de protection d'abord individuels, tempérament facile, Big Five. Estime de soi, optimiste, les raisons de vivre. Viktor Frankl, ça vous dit quelque chose? Pourquoi vous êtes ici cet après-midi? Puis pour qui? Pourquoi? Il fait beau dehors. Pourquoi et pour qui? Ça, c'était Viktor. Vous connaissez l'histoire de Viktor Frankl, hein? Moi, ma thèse de doctorat, là, ça commence à être loin, portait justement sur les raisons de vivre. Hein? Demander à un adolescent pourquoi il veut rester en vie, c'est quand même assez important. Donc, évidemment, tout ce qui est lié aux valeurs, les stratégies de coping, les habitudes de vie saine, ça, c'est une autre chose, pour avoir fait une affaire encore de la pédopsychiatrie. Chez nous, en tout cas dans notre équipe, avant de donner des médicaments et même commencer une thérapie, on s'assure que les habitudes de vie, et c'est souvent le dossier de l'infirmière, est-ce que le jeune dort bien? Est-ce que le jeune mange bien? Est-ce que le jeune fait des activités? Avant de quoi que ce soit, là, avant de commencer à parler de thérapie. Hein? La spiritualité ou la religiosité, les valeurs, dimension familiale, attachement possible avec un parent, relation familiale chaleureuse, adulte présentant un modèle d'ajustement sain, sentiment d'appartenance à la famille, c'est quelque chose, fait partie de la tribu. Hein? Et là, on revient avec le lien. Hein? On ne peut pas apprendre sans lien. Mais on va voir que je dirais que c'est une dépression de l'apprentissage. On ne peut plus apprendre. On est bloqué. On va voir plus loin. Okay? Donc, dimension sociale, relations interpersonnelles saines, soutien social, expérience scolaire ou de travail positive, engagement au sein de la communauté, sentiment d'acceptation par les amis. Bon, je vous fais grâce de tous les facteurs de risque. Bon, après tant d'années à avoir rencontré, j'ai au moins rencontré 1000 personnes comme il faut dans le cabinet des adultes, mais surtout des ados et tout. Et après avoir beaucoup lu, interagi avec les étudiants, puis regardé, j'arrive à ce modèle. Bon, vous avez les adolescents qui tombent une fois pour mille une raisons et font un épisode de dépression majeure. J'avais un oncle qui me disait, je le voyais une fois par année, à Noël, il me disait, as-tu trouvé cette année en recherche? C'était la blague. On a trouvé une donnée, n'en voilà une donnée probante. Vous savez qu'actuellement, pour un épisode de dépression majeure,
Quoi qu'on dise, l'IMSERM l'a publié également dans son rapport des trois approches en psychothérapie. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la TCC fonctionne. Oui, ça fonctionne, madame, monsieur. 15 à 20 rencontres pour un épisode de dépression majeure, si c'est léger à modéré, ça fonctionne et on a gagné la victoire. Problème il y a toutefois. Et à peu près toutes les équipes de recherche sont sur ce dossier-là, c'est qu'il y en a la moitié un an ou deux après qui vont refaire une rechute. Et là, on ne comprend pas pourquoi. Et c'est là que toutes les équipes travaillent, autant en neurosciences que dans les sciences humaines, à savoir comment ça se fait. Et là, on parle de traitement de maintien. C'est pour ça que maintenant, on va maintenir un an les antidépresseurs et on va maintenir un an la TCC pour essayer d'éviter les rechutes. Donc, la CBT, je m'excuse, je l'ai mis en anglais, ça fonctionne. Et vous allez voir que c'est des traitements au niveau, c'est le comportement. Hein? Donc, on augmente le comportement ou on renforce justement les mécanismes de défense. Ou bien, c'est la triade cognitive de Beck. Vous connaissez un peu l'histoire de Beck, hein? Beck était psychanalyste, il a migré aux États-Unis, et vous savez que dans sa carrière, il était jeune psychiatre, il voulait prouver la théorie freudienne de la dépression. Or, il s'est mis à écouter, à faire des associations libres et à noter, et il s'aperçut que les gens dépressifs présentaient surtout trois choses. Essayez de vous imaginer tout ce que vous voyez ici, ça vaut rien. Hein? Tout ce que j'ai été dans mon passé, c'est nul. Et tout ce que je serai dans le futur, c'est un impasse. Voilà la grande théorie de Beck, la triade cognitive. Et c'est là qu'il a ouvert la fameuse boîte noire. Et oui, Beck, et comme les cognitivistes, croit à l'inconscient, bien sûr. Bien sûr, au schéma hein, fixe chez les gens. Or, et là, je fais un aparté. Quand j'ai terminé mes études, ou quand j'étais à l'internat, je me souviens que tout ce qui bougeait, on restructurait. Et souvent, ça ne fonctionnait pas. Et là, nos superviseurs nous disaient, « Ah, vous savez, ça doit être la résistance de l'autre côté, vous vous êtes mal pris, c'est probablement à cause de la température, ou on nous expliquait toutes sortes de choses. » Mais on ne comprenait pas une chose que Marshall Hanahan nous a expliquée. Vous savez que Marshall Hanahan, probablement, c'est l'une des plus grandes psychologues de notre siècle. Elle a fait son coming out. Hein? Vous savez, dans New York Times, il y a à peu près 5 ans, c'était la plus grande borderline de son village, de sa ville. Elle a été hospitalisée plusieurs fois et elle nous disait même en entrevue à un moment donné qu'elle était encore suicidaire par moment. Et c'est probablement la psychologue qui a le mieux décrit la thérapie pour la dysrégulation émotionnelle, c'est elle qui l'a fait, et c'est probablement une des psychologues qui était le plus subventionnée aux États-Unis, comme chercheur et comme professeur. C'est quand même, voilà un exemple de résilience. Ce que Marshall Hanahan nous expliquait, et là on s'en va vers la thérapie comportementale dialectique, c'est qu'il y a des gens, et là je ne vous expliquerai pas toute la théorie, il y a des gens qui vont dysréguler très, 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 très facilement. Moi, j'appelle ça « tuer une mouche avec un canon ». Vous dites « pourquoi vous tuez la mouche avec le canon ?» Il y a des hypothèses biologiques et il y a l'hypothèse avec un environnement invalidant où la jonction, l'interaction entre les deux amène la personne à dysréguler. Et essayez de vous souvenir quand vous avez été très, 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 très en colère. Et votre conjoint ou l'entourage vous dit « Chérie, aimerais-tu que vous n'écoutez plus? » Donc, nous, on restructurait des gens qui étaient dysrégulés, qui n'avaient plus accès à leur monde intérieur. Vous comprenez? Et une fois qu'on a compris ça, c'est que Marshall Hanahan nous explique, et nous, on l'a tellement expérimenté à Montréal, que la chose la plus importante avec les borderline ou les gens qui se dysrégulent, c'est d'abord les calmer. Et une fois qu'ils sont calmés, qu'est-ce qu'on fait? On revient à nos théories d'apprentissage. Donc, c'est une dysrégulation émotive. Le troisième qu'on parle très peu, et j'en ai pas mal, j'en ai discuté avec Boris Cyrulnik, puis il veut avoir son idée, c'est des gens qui sont polytraumatisés ou traumatisés, qui, eux, c'est un échec complètement d'élaboration psychique. Donc, vous voyez les trois modèles qu'on va utiliser en intervention.
Donc, vous dire rapidement que les théories de première vague, c'est les théories qui sont basées sur l'apprentissage classique. Hein? Vous savez, Pavlov a gagné le Nobel avec son histoire de chien. Ça a l'air assez singulier, son histoire, mais pensez à ça, qu'on a le pouvoir de conditionner une réponse émotionnelle. C'est quand même pas rien. Ensuite, tous les travaux de Skinner sur les renforcements. Hein, c'est quand même important. Notre comportement est régulé par les renforcements. Et bon, vous avez tout l'apprentissage social. Bon, dans la deuxième vague, vous avez tout le traitement de l'information. Et dans la troisième, vous avez tout ce qui est lié à l'acceptation, les émotions et la résilience. Donc, clin d'œil à Beck, clin d'œil à Marshall Hanahan pour vous expliquer, clin d'œil à Donald McKembaum, qui est un Canadien qui a été listé parmi les 10 psychologues les plus influents en Amérique. Et tout ça avec Boris Cyrulnik et Frankl, qui, voyez-vous, on tombe dans ce qu'on va appeler la thérapie centrée sur la résilience et le sens. C'est à peu près là où on est rendu au Canada. Donc, dans la pratique, bon, je n'ai pas besoin de vous revenir sur toute la notion de dépression telle qu'elle a été évoquée. Vous voyez ici, j'ai eu l'occasion d'aller à Vienne, il faut aller voir son bureau en Freud pour comprendre, hein, avec les tableaux. Hein, puis vous allez en Angleterre, son divan est en Angleterre, ça aussi, il faut aller là, il faut aller voir. C'est rendu un petit musée, c'était Anna Freud qui restait là. Hein. Donc, on est passé d'un concept de mélancolie pour aller éventuellement vers ce qu'on appelle des troubles de la dépression. Et évidemment, c'est un modèle beaucoup psychosocial, et on est en train de rejoindre l'aspect culturel. Évidemment, ici, je travaille avec Dr. Cohen, mais chez vous, vous avez Louis Vera qui a écrit de très belles choses sur la TCC chez les enfants. Il faut aller lire son ouvrage. Bon, je n'ai pas besoin de vous refaire une définition de la dépression, je pense que vous savez c'est quoi, mais vous faire un clin d'œil qu'une grande différence, on l'a évoqué, entre la déprime et la dépression. Il m'arrive des soirs d'être déprimé, je n'ai pas un trouble dépressif. Un trouble dépressif, souvenez-vous, c'est la notion de durée et c'est le niveau de dysfonctionnement. Pleurer pendant 14 jours, c'est long. Mais pas dormir pendant 14 jours, c'est long. Pas avoir d'énergie pendant 14 jours, c'est long. Une journée, ça peut arriver, mais c'est de la déprime, pleurer une journée. Et l'autre chose, c'est le dysfonctionnement. Hein? Nous, on accorde une importance très, très importante lorsqu'on fait des évaluations où on va voir jusqu'où la personne fonctionne. D'ailleurs, c'est l'axe 5 dans le DSM, dans le DSM-5, où on va voir, on l'a changé dans le DSM-5 pour le WORDAS, c'est une échelle maintenant pour voir le niveau de fonctionnement d'un individu. Je vous fais un clin d'œil, c'est un beau tableau, mais probablement vous ne verrez pas. C'est juste vous montrer la symptomatologie, comment elle varie d'un enfant et d'un adulte, et on l'a évoqué, c'est beaucoup la question de l'irritabilité chez les plus jeunes. Vous voyez les symptômes atypiques chez les enfants et les adolescents, une humeur irritable, perte sélective d'intérêt, boulimie, hypersomnie, agitation psychomotrice, fatigue, on en a parlé, présence avec des mesures, baisse de rendement scolaire, passage à l'acte et impulsivité. Ce qui nous inquiète le plus avec les adolescents dépressifs, vous savez qu'actuellement, et c'est encore comme ça dans le DSM-5, vous savez pourquoi 5? On fait une blague au Canada. On a changé 5 fois d'avis. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on est passé d'un chiffre arabe à romain, romain à arabe, c'est parce que ça devait être un grand, 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 grand changement. Et c'est un pétard mouillé, mais ça s'en vient. Pour la question des troubles de personnalité, ça s'en vient avec le dimensionnel. Où c'est que je voulais aller avec ça? Bon, enfin. Donc, l'épidémiologie, juste faire un clin d'œil, en dépression chez l'enfant dans les années 60-70, c'est arrivé. On parle de 1 à 2% chez les enfants, de 3 à 8% chez les adolescents. On en a parlé, c'est à peu près égal chez les enfants, mais quand on tombe chez les adolescents, tu as deux fois plus de filles. La moitié des filles hospitalisées au Québec, dans les lits, ce sont des filles qui ont fait des tentatives. 7 personnes sur 10 qui suicident au Québec, ce sont des hommes. Hein? On a leur profil. Ce sont des hommes à peu près de 40-50 ans, hein, qui vont tout perdre et qui, habituellement, vont passer à l'acte.
Oh oui, c'est là que je voulais en venir. C'est que pour les conduites suicidaires, la pathologie la plus associée, c'est la dépression et les troubles de personnalité limite. Voilà. Il ne faut pas aussi oublier que de 40 à 70 % de ces jeunes-là qui ont de la comorbidité. Et il faut voir aussi qu'il y a un nouveau diagnostic qui est arrivé dans le DSM-5, qui est la dysrégulation émotionnelle. Ça, c'est à cause de la controverse de Birmaer. Vous savez qu'on donnait beaucoup de diagnostics d'hyperactivité en bas âge, où on pensait que c'était un épisode d'hypomanie. Donc maintenant, on parle plus de dysrégulation, et c'est à l'étude pour mieux comprendre. Donc, c'est important le dépistage. Bon, juste pour vous dire qu'à 7-9 mois va durer à peu près une dépression dans la population clinique, puis de 1 à 2 mois en population générale. Voilà. Donc, c'est une diapositive pour vous montrer que dans le traitement aigu, on sait comment faire, c'est les rechutes où tout est à faire dans le traitement des maintiens. Donc, juste pour vous donner un clin d'œil, donc avec un adolescent dépressif, absolument c'est un adolescent impuissant, inhibition et culpabilité, je suis mauvais. Bon, du côté plus bipolaire, toute puissance, grandeur des émissions, je suis parfait. Bon, probablement, je pense que vous n'y arrivez pas à lire. C'est peut-être l'autre la plus importante de toute la présentation. Vous avez ici, en résumé, et c'est peut-être là-dessus que je vais m'attarder le plus possible avec vous, toutes les étapes de la prise en charge auprès de nos jeunes adolescents dépressifs avec ou sans conduite suicidaire. D'abord, la première étape, c'est l'alliance et le consentement. Deuxième étape, c'est l'évaluation et la protection. Troisième étape, c'est la motivation et la compréhension. Quatrième étape, observation, intervention, excusez. Et cinquième étape, prévention, immunisation. Je vais passer chacune des étapes. Donc, la première chose lorsqu'on rencontre un mineur dépressif, je ne rencontre pas un mineur dépressif, je rencontre un adolescent, je rencontre Mathieu, je rencontre Marc, je rencontre Brigitte, je rencontre une personne humaine qui présente une symptomatologie dépressive. Donc, souvent, je dis aux étudiants, parce que je suis superviseur depuis 20 ans, vous pouvez rater complètement toute votre entrevue d'accueil, mais ne ratez pas votre alliance. Ne ratez pas le contact pour la première fois avec la famille et avec le jeune. Parce que c'est là que ça va jouer, c'est le lien. Hein? Donc, évidemment, dans tous les cas, on devrait créer une alliance et évidemment, on devrait monitorer son compte transfert et avoir régulièrement recours à la supervision aux besoins. Hein? Le consentement... Ah, peut-être une petite histoire... Je fais souvent ça dans les cours, les gens aiment ça, des petites histoires. En pédopsychiatrie, on avait une petite expérience. La clinique est au 5e. Et je travaillais avec un psychiatre qui il ressemblait à Freud avec une grande barbe et des cheveux blancs. Et souvent, on arrivait à côté de l'ascenseur. On disait, « Oh! J'ai un mal de dos. » Et là, on disait aux jeunes, « Est-ce qu'on prend l'escalier ou l'ascenseur? » Juste pour voir l'empathie du jeune. Et là, souvent, le jeune dit, « Oh, monsieur, monsieur, non, non. » Puis il paye sur le bouton. D'autres couraient dans les marches. C'est juste des petites choses, mais souvent qui nous aident juste à mieux comprendre. Donc, évidemment, le consentement, donc tout ce qui est lié aux données probantes concernant les traitements, les limites de la confidentialité avec la notion de conduite suicidaire. Et évidemment, on va donner l'information sur les options, les risques, les bénéfices et les coûts par rapport au traitement. Ça, c'est une acétate que j'aime beaucoup parce que dans l'évaluation, vous voyez que ce qui est au centre de l'évaluation, c'est le jugement clinique. Hein? Et il y a plusieurs méthodes d'investigation. Nous, au Canada, d'abord, on va faire ce qu'on appelle des entrevues semi-structurées. On va utiliser beaucoup l'observation. On va même aller à l'école, on va même aller à la maison pour observer le comportement. On va utiliser beaucoup de questionnaires auto-administrés. On va aussi utiliser les documents. Utilisez-vous les documents, des photos? Photos, ça parle. Des lettres, les bulletins scolaires. On a beaucoup d'informations. Hein? Et tout le rapport autrui. La petite amie, les parents, le professeur d'école. Et c'est avec toute cette information-là qu'on va utiliser le jugement clinique pour se prononcer. L'autre chose... ça sera présenté dans 2 semaines au congrès de Amiens.
Nous faisons ce qu'on appelle des plans de prévention de la crise suicidaire et on a développé, j'ai développé avec le laboratoire un APS. Avant, on faisait ça sur, dans les dossiers. Maintenant, on a l'APS sur téléphone mobile où on peut faire un plan de sécurité. Le plan de sécurité, c'est quoi? Essentiellement, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on sécurise le milieu. Est-ce qu'il y a des armes à feu dans la maison? Est-ce qu'il y a des médicaments? Et on va tout voir ce qui est dangereux dans la maison. La deuxième chose, on fait ce qu'on appelle une analyse en chaîne. Je reviens à votre épisode où vous avez été très en colère. Essayez d'identifier qu'est-ce qui vous a amené en colère. Et une fois qu'on est identifié, on peut voir à peu près comment on peut s'organiser pour prévenir avant d'être en colère. Ensuite, on identifie avec les gens les stratégies de coping lors du moment très difficile. Je vous lance la balle. Supposons que vous apprenez dans 5 minutes que votre conjoint ou votre conjointe est hospitalisé entre la vie et la mort et vous devez quitter d'une façon précipitée, qu'est-ce que vous faites pour vous réguler? Il y en a qui vont danser, il y en a qui vont crier, il y en a qui vont appeler leur mère. Il y en a, j'avais une dame qui disait, vous savez, de la peau d'un bébé? Elle dit, moi, je me mens ça, puis je sens ça, puis ça me calme. Bon, ma foi, les gens, c'est des photos, pourquoi pas? Mais on va identifier avec eux. Ensuite, ce qu'on fait avec eux, on va identifier 3 personnes. Seriez-vous capable dans la salle d'identifier 3 personnes? Si vous êtes mal pris cette nuit, à 2 heures du matin, on vous arrête. Les gendarmes vous arrêtent. Vous appelez qui? J'espère que vous avez 3 noms. Donc, on cherche avec les familles, on cherche avec les parents à trouver 3 noms. Et savez-vous ce qu'on fait? On dit aux jeunes, on les appelle. Et on a vu des cas, je vous dis, c'est des étincelles. Des fois, c'est le professeur de français. Des fois, c'est l'animateur de pastoral, le coach de soccer, on les fait venir en cabinet et on leur dit, ce jeune-là vous a choisi s'il est mal pris. Êtes-vous prêt à répondre à 2 heures du matin s'il est mal pris? Volontiers. Et on voit aussi des jeunes qui ne choisissent pas leurs parents. Ça, c'est une autre chose. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Numéro 4, ce qu'on va faire ensuite, c'est que on va identifier, plutôt 5, les professionnels de santé. Vous savez, quand on travaille avec des adolescents, là, je parle plus d'adolescents suicidaires. Lorsqu'on travaille avec des adolescents suicidaires, c'est comme la cardiologie. Les secondes comptent. Donc, en travaillant avec des suicidaires, on peut être appelé, évidemment, presque de garde. Pas presque, on est de garde. On se partage les téléphones. On a des centres de crise également. Donc, et au début, on s'était dit que les adolescents borderline vont abuser du service. Absolument pas. Donc, on peut nous rejoindre. Mais avant de nous rejoindre, ils doivent d'abord avoir essayé par eux de sortir de la crise. Deux, d'avoir appelé la famille ou l'entourage. Et ensuite, c'est nous. Et ensuite, vous avez les centres de crise. Et avec leur iPhone, on a la géolocalisation immédiate du jeune lorsqu'il nous téléphone s'il y a un problème, puis on peut avoir un appel dispersif. L'autre chose qui est assez nouveau, ça, je ne faisais pas ça il y a 10 ans, maintenant, c'est une façon systématique, c'est les stades de Prochaska. Maintenant, on travaille comme ça le plus en plus au Canada. Il n'y a aucun jeune ou une famille qui débute une thérapie s'il n'est pas dans une phase de préparation motivée à vouloir faire une thérapie. S'il n'est pas motivé à faire une thérapie, on va passer 6 mois à 10 mois avec les parents et le jeune à le motiver. Et s'il n'est pas motivé, on ne pense même pas à thérapie. Et on ne le veut même pas. C'est un peu sec, catégorique, mais ça nous prend des gens motivés si on veut aller plus loin. Donc, évidemment, sans aller dans tout le détail des évaluations, on accorde une importance capitale au DSM-5, d'abord au niveau catégoriel, et ensuite, on fait des analyses fonctionnelles pour essayer de comprendre comment le jeune va vivre des cognitions, des émotions, des comportements, et on va regarder la biologie. Et vous comprenez que la première vague, on change le comportement, la deuxième vague, c'est les cognitions, et la troisième vague, ce sont les émotions. Donc, évidemment, l'observation, on porte une grande importance à l'observation.
Et évidemment, vous avez trois niveaux d'intervention. Vous avez un niveau conscient, non systématisé, qui sont liés à de l'empathie, au conseil, à la spontanéité. Vous avez un niveau conscient qui est plus systématisé. Je vous dirais, la plupart de nos interventions se font au niveau 2, c'est-à-dire que nous avons des protocoles. Les protocoles, écoutez, un protocole, c'est comme... Nous, on n'est pas gênés à dire c'est comme un livre de recettes, mais les protocoles, c'est pour nous donner des indications pour savoir comment intervenir, et tout ça, on fait du sur-mesure. C'est juste un guide pour nous aider, un guide de bonne pratique, pour nous aider à intervenir. Et finalement, mais deux intermédiaires, on va d'une façon beaucoup plus en profondeur pour essayer de comprendre la dynamique des familles et du jeune. Et finalement, trois, c'est inconscient. C'est plutôt rare qu'on se rend là, mais là, c'est souvent des familles qu'on va garder 2, 3, 4, 5, 6, 10 ans. Et moi, ça m'arrive souvent, cabinet privé, d'avoir vu deux générations et je vois des gens en TCC, on change les mandats. Qu'est-ce qui est particulier dans les interventions avec les enfants et les adolescents? Donc, souvent, on va utiliser le dessin et le jeu. Il faut garder en tête qu'on doit utiliser un style collaborateur et empirique, avoir une position objective, inclure les membres du système de la famille, rechercher les affects ou peut-être les émotions, poser les questions dans un style socratique, défier le mode binaire, éviter le blâme, reconnaître l'égocentrisme des enfants et des adolescents, être un modèle et, je dirais, résister à la tentation. La tentation... Moi, je pense que je l'ai fait en début de carrière. La tentation de dire qu'on abandonne subtilement parce qu'on est fatigué parfois. Hein? On ne retourne pas les messages. Ou la tentation de vouloir sauver l'autre. Comment juste être un bon objet avec l'autre pour l'aider? Évidemment, je vous fais grâce de tout ça, mais vous voyez des modules qu'on va travailler, c'est l'estime de soi et le sens à la vie. Donc, comment développer un sentiment de sécurité chez l'enfant, le sentiment d'identité, le sentiment d'appartenance, la compétence. Il y a quelques années, petite histoire, il y a quelques années, on fait une thérapie de groupe pour enfants qui ont perdu un parent par suicide. Donc, la majorité, c'est quoi? C'est des pères. Et on a deux groupes. Un groupe qui reçoit la thérapie, puis un groupe qui est sur une liste d'attente. Mais pour rendre la chose la plus agréable possible, on fait un petit souper communautaire avec les jeunes. On appelait ça l'effet pizza. Quand on évaluait notre traitement est montré qu'il était efficace, mais probablement c'était plus l'effet pizza que la thérapie. Le fait de s'asseoir en groupe puis de partager un repas, et c'était les jeunes qu'on mettait responsables de chacun des repas, avait peut-être plus d'impact que toutes les stratégies qu'on faisait. On voit le lien. Comment le lien est important. Évidemment, tout ce qui est lié à la restructuration cognitive, et ça, les gens pensent que c'est facile à faire. Moi, ça m'a pris 3 ans à être pas pire, toute la question socratique et tout. Vous avez la communication, l'affirmation de soi qu'on va travailler. On va travailler la résolution de problèmes. On va travailler tout ce qui est lié au niveau de la validation avec les jeunes. Et on va travailler des stratégies d'intervention. Là, ce qui est très à la mode chez nous, c'est le mindfulness, hein, la présence attentive, les compétences de régulation émotionnelle, les compétences de tolérance à la détresse, les stratégies physiologiques d'urgence et les points de rupture. Si vous allez à l'hôpital Rivière-des-Prairies, j'ai fait acheter un frigo. Il y a un frigo et il y a des ice packs. Savez-vous c'est quoi des ice packs? Ce sont des genres de trucs là, qu'on met dans nos boîtes à lunch froides. Si quelqu'un dysrégule, mettez ça sur la tête. Il va revenir à lui vite. Donc, on sait que le froid va rapidement amener quelqu'un à se réguler. Donc, maintenant, on a des ice packs. On l'a utilisé souvent et on l'utilise. Donc, on fait des traitements de prévention de la rechute à la toute fin. Donc, un clin d'œil sur la recherche rapidement, quitte vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez par la suite. Donc, au niveau de la recherche,
J'ai rapidement été voir dans Medline et Psyche Info tout ce qui est, enfin, la plupart des choses qui ont été écrites depuis 2007, les 10 dernières années. J'ai rentré enfant, adolescent, dépression avec des mots-clés et j'ai mis intervention basée sur l'épreuve. C'est bien important que, là, je vais plus dans le monde scientifique de la recherche. Vous savez, la recherche, c'est comme monter un édifice. On ne peut pas faire le troisième étage si on n'a pas fait le premier étage. Comment la science fonctionne, c'est habituellement, on commence par des opinions d'experts. On se réunit, puis on donne notre avis. Ensuite, c'est des séries de cas. On a entendu ce matin des cas. Ensuite, on fait des études transversales. Ensuite, on fait des études de cas témoins, des études de cohortes, des essais non contrôlés, des essais contrôlés randomisés. On fait des revues systématiques, on fait des méta-analyses. Évidemment, quand on a des méta-analyses, vous allez voir, je vais vous en montrer une que j'ai réalisée. Les méta-analyses, on ramasse toutes les recherches qui ont été publiées pendant 10-15 ans et on regarde mathématiquement qu'est-ce qui a fonctionné ou non. Et c'est avec ça que les grands organismes comme l'INSERM, NICE au Royaume-Uni, nous, c'est l'Institut de recherche en santé ou l'American Psychiatric Association, arrivent à pouvoir se prononcer sur certaines données probantes. Évidemment, ça reste des données, mais c'est quand même des données. Donc, ce qu'on peut voir, j'ai trouvé certains livres, je vous fais grâce de les nommer, et des articles. Et ce qu'on peut dire, grosso modo, des 10 dernières années, et je me lance le défi d'ici 2-3 semaines, peut-être un mois, à tout mettre ça en ordre, là, pour avoir les données exactes. Mais qu'est-ce qu'on retrouve en gros, là? C'est que la psychothérapie est l'un des traitements de choix de la dépression chez les enfants et les adolescents. La psychothérapie en général. La psychothérapie cognitive comportementale est celle qui a été le mieux étudiée en psychologie et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Pas parce que probablement c'est mieux, c'est parce que peut-être c'est plus proche d'un modèle scientifique parce qu'on a des mesures et qu'on se laisse, on n'est pas gêné d'évaluer nos traitements. Celle-ci se montre efficace dans cette population, mais la réponse pourrait être plus faible que chez l'adulte et elle pourrait varier selon la gravité des symptômes. Donc, pour l'instant, on est assez frileux et prudent. On sait que ça fonctionne chez l'adulte, mais on voit que chez les enfants, ça semble. On va parler d'une preuve établie pour la dépression légère. Modérée, on a encore des doutes, mais. En effet, on peut dire qu'il y a des preuves scientifiques établies pour la TCC en enfants et adolescents de la dépression d'intensité légère. Il faut faire un peu plus attention avec le modéré. On peut parler de présomption d'efficacité pour la dépression sévère. On pense que c'est encore mieux une combinaison, la fluoxétine. Bon, il nous faudrait des psychiatres pour nous expliquer. Vous avez l'étude TAD qui a été faite aux États-Unis, donc c'est la combinaison entre un médicament et la TCC. Certaines études ont également exploré l'association entre la psychothérapie et la médication, comme je disais, l'étude de TADS. Enfin, bien que les psychothérapies démontrent une certaine efficacité à court terme, celles-ci n'ont encore été que peu étudiées à titre de traitement de maintien, comme je vous parlais, et traitement de rechute. Donc, clin d'œil à mon laboratoire, c'est pour vous montrer que ça, c'est une méta-analyse qui a été publiée dans le Canadian Psychology, où on a épluché tout ce qui se faisait sur les traitements TCC auprès des adolescents. Et ce qui m'intéressait, c'était les conduites suicidaires et les comportements automutilatoires. Et la bonne nouvelle, ce qu'on a trouvé, c'est que la TCC fonctionnerait pour les idées suicidaires et les conduites automutilatoires, mais c'est encore trop tôt pour se prononcer sur les passages à l'acte. Vous avez des données, ça c'est la psychothérapie cognitive de l'adolescent dépressif et suicidaire qui a été publiée. Vous avez la même chose avec les borderline. En conclusion, je veux conclure sur la face cachée de la lune. On a été des années et des années à s'intéresser aux facteurs de risque. Il est temps maintenant de s'intéresser aux facteurs de protection. Comment peut-on comme psychologue, comme psychiatre, comme infirmière, comme travailleur de la santé, mettre toutes nos énergies à trouver les trésors, les talents cachés de nos jeunes, de nos familles, et miser beaucoup sur ce côté-là, les ressources, les forces, pour essayer d'aider. J'ai presque envie de vous dire,
c'est quoi dépression? On a des nosographies, on a des théories. Hein? Vous savez, plus on a de théories d'une chose, c'est moins qu'on connaît de la chose. Un plus un donne deux, puis c'est fini. Hein? Mais ce qui est important, c'est de trouver des facteurs pour essayer d'amener les jeunes et les familles à traverser. Donc, la validité d'une intervention augmente si on sait mieux la réalité clinique qu'on souhaite modifier. La psychologie et la psychiatrie, surtout en clinique spécialisée et les sciences de la santé en général, évoluent de façon inévitable vers les interventions de plus en plus valides. Il est ainsi pertinent de mettre en œuvre des interventions qui favorisent en tout et en partie le développement des facteurs de risque et surtout de protection. À cet effet, les programmes axés sur le coping, la résilience et le lien nous semblent primordiaux pour l'avenir. Coping, résilience et lien. Les éléments présentés demeurent une lecture évidemment franco-québécoise du sujet et d'un regard d'un praticien-chercheur en psychologie clinique. J'espère par cette courte présentation que ça a pu contribuer à la journée et je vous remercie de votre attention.